Ce fameux festival de pêche hivernale au lac Changgang est actuellement en cours à Jilin, la province du Nord-Est. Notre journaliste Guan Yang nous explique comment est organisé l'accueil des milliers de touristes qui affluent dans la région tous les ans. Le gérant d'un restaurant local, Jiang Limin, a un nouvel aquarium où les poissons frais seront exposés durant les fêtes du Nouvel An. Les boissons frais sont vendues à un meilleur prix que les boissons surgelées. Le lac Chagan bénéficie d'une notoriété grandissante. Chaque année, il attire des milliers de touristes. Les poissons sont réputés pour être tendres, gras mais non huileux. Leur goût est unique et les clients redemandent toujours plus. Ici, on sent le changement du boom économique, une maison rénovée aux personnes qui débordent de positivité. Chaque année, de fin décembre jusqu'au festival du printemps, se déroule une pêche sur glace de grande envergure au lac Chagan. Les cultures de pêche et de chasse sont restées vivantes au fil des siècles et ont apporté quelque chose d'unique à cette région. Les routes ont été élargies, les villages autour du lac sont plus accessibles. Je pense que la pêche n'est pas la seule activité qui attire les visiteurs au lac Chagan, mais aussi l'histoire et la culture locale. Les 20 derniers, plus de 100 millions de yuan ont été dépensés par les touristes dans la région du lac Chagan et on s'attend à ce que ce chiffre augmente cet hiver.